Nous allons nous plonger en plein cœur du XVIIe siècle, le siècle Louis XIV. Commençons par un air bien connu de tous et générique de l'Eurovision. Il s'agit ni plus ni moins que du TDE de Marc-Antoine de Charpentier, grand compositeur de Louis XIV, même si ce dernier lui préférait le bien connu Jean-Baptiste Lully. Il est le grand maître sur la scène musicale et il mène Marc-Antoine de Charpentier jusque dans le lit pendant près de 4 siècles. Il connaît heureusement aujourd'hui une redécouverte et nous vous faisons partager son talent au travers du fameux TDE.